Bonjour à tous, et bien aujourd'hui je suis heureuse de vous retrouver pour une nouvelle séance de gym à la maison. Je vous propose une séance de renforcement musculaire avec des haltères. Alors vous n'avez peut-être pas forcément des haltères à la maison. Pour ce faire, pour les remplacer, je vous propose de prendre des petites bouteilles d'eau comme ceci. Hop, là, ça va faire tout à fait l'affaire. Ça va remplacer nos petits poids. Ok, ça fait à peu près 500 grammes. Hop, on commence donc par un échauffement, comme d'habitude. On écarte nos pieds, mains sur la taille. Allez, c'est parti. Petite flexion. Allez. Hop. Attention à vos genoux, toujours en direction des orteils. Hop. Encore. 4, 3, 2, et on part sur le côté. Allez, on va se mettre la température. On va un bras devant et puis l'autre. Allez, hop. On lève le bras plus haut. Allez. Ok, on reprend devant, un bras. En haut le bras. Devant le bras. En haut. Allez, devant. En haut. Ok, on serre les pieds et on balance les bras. Hop. Encore. Allez, on va plier les bras maintenant. Ok, on relâche. Encore 4, 3, et on va ramener le talon sur la fesse. Hop. On va chauffer l'arrière des cuisses et on va accompagner avec les bras. Allez, on tire les coudes vers l'arrière. Hop. Et on monte les deux bras, tout là-bas. Et on change de côté. Allez, hop, hop.
à les pieds. Hop. On va venir placer les bras ici. Et on croise. Allez, croisez les bras devant. Encore. 4, 3. On va changer un petit peu les bras. Je vais simplement plier et tendre mes bras. Allez. Encore. Et à nouveau, je croise tendu. Encore, encore. Ok, on relâche. Allez, hop. Encore 8 fois. Allez, 4, 3, 2. On écarte nos pieds. On reprend des petites flexions. Allez, hop. Encore 8 fois. 8, 7, 6, 5, 4, 3. On va fixer nos jambes, on va partir ici, en inclinaison. Allez, on va chercher vers le haut, on se grandit. On souffle bien, le ventre est serré. Hop, hop, allez, chercher dans la longueur. On se grandit, hop, hop. Essayez de ne pas bouger le bassin. Les jambes sont fixes. Encore, 8, 7, 6, 5, 4, 3, de refaire une petite rotation. Tourne, tourne. Allez, on chauffe la taille. Hop. Encore. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 et 1. Je reprends flexion droite-gauche. Les fesses en arrière. On va chauffer les adducteurs. L'intérieur des cuisses. Encore. Allez, on double la droite, deux petits, et on change de l'autre côté. Encore. Hop. Allez, hop. Ok, on alterne à nouveau, droite et gauche. Attention à votre dos, hein. Il reste bien droit. Et on va aller chercher le sol avec la main opposée. Main droite puis gauche, main gauche puis droite. 4, 3, allez, on remonte doucement, droite, gauche, allez, on plie les jambes et on monte les bras, on s'étire et on relâche, super, allez, on va prendre nos poids, voilà, moi j'ai les mains, deux petites bouteilles d'eau, on va écarter les pieds, largeur du bassin, on va être souple sur nos jambes, attention, hein, les jambes ne sont pas trop tendues. On se redresse, le ventre est un petit peu rentré, les fesses serrées pour placer notre bassin. Premier mouvement, on va monter les bras ici à l'horizontale, on va venir croiser les bras devant, on va ouvrir et on va redescendre. Allez, c'est parti, on monte, on croise, on ouvre, on descend, monte et croise. Allez, hop, et je souffle en croisant, et deux. Allez, 3, encore 4 fois, hey. Allez, hop, 2 fois, encore une fois, et pour que ce soit meilleur devant, on va croiser 3 fois, ça fait, monte, 1 fois, 2 fois, 3 fois, hop, et je redescends, et monte, 1 fois. Deux fois. Hop. Trois fois. Encore deux fois. Allez. Une fois. Deux fois. Un dernier. Monte. Une fois. Hop. Deux fois. Trois fois. Ok, on relâche. Hey, ça chauffe. Hein. Allez, les bras le long du corps. On va ramener les mains vers les épaules. Et redescendre. Gardez bien les coudes collés le long de votre corps. Allez, c'est parti. On souffle, on inspire.
Allez, on contrôle la descente. On souffle en montant. Allez. Hop. Hop. Encore. Allez, c'est bien. Ça, c'est plus facile. Allez. Le biceps. Hop. Allez, on alterne. Droite-gauche. Droite-gauche. Allez. Hop. Hop. Attention, on contrôle toujours la descente. Encore. Allez, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, on va reprendre les deux, ça fait 2 en haut, les 2 en haut. Allez, 6, encore 2. Ok, on relâche, super. Alors maintenant, je peux poser un poids au sol. Troisième mouvement, on va attraper ici avec la main gauche, regardez le bras pour bien le garder le long de la tête. Faites attention à ne pas faire ça avec votre corps, restez bien droit. On va essayer des plis, d'accord? Si on a qu'on mal aux épaules, dans ce cas-là, faites plutôt un mouvement sur le côté. Allez, prêt? On y va. Allez, on souffle, on inspire. Allez, ce sont les triceps, trois, nos fameuses ailes de poulet. Allez. Allez, soufflez. Allez, encore. Deux. Trois. Quatre. Cinq. Six. Sept. Huit. On fait des petits là-haut. Un, deux, trois. Et je redescends. Allez. Un, deux. Trois, encore deux fois, allez jusqu'au bout, on s'accroche. Allez, encore une fois. Ok, relâchez. On change de côté. Allez, on y va. Sans et plus. On souffle toujours en montant. Gardez bien le coude ici collé à l'oreille. Encore, encore. Sans. Allez, hop, on sortait 8, allez, 8, 7, allez, courage, 6, 5, je sais, c'est le bras gauche, c'est moins bon, 4, pour les droitiers, bien sûr. Attention, vous allez me faire 3 petits là-haut, 1, 2, 3, et on redescend, 1, 2, 3, et on redescend, 2 fois encore, allez. Encore une fois. Ok, on relâche. Allez, on enroule les épaules sur l'arrière. Et on va passer au dos. On reprend la deuxième haltère. On va plier nos jambes. On va se pencher en avant. Alors, je vais me mettre de profil pour que tout le monde voit bien. Je vais donc pousser les fesses en arrière. Aspirer mon nombril. Attention, hein, on ne fait pas ça. On ressort bien ses fesses, les bras ici, je vais faire l'oiseau, d'accord? Je vais monter les poids sur les côtés et chercher à rapprocher les omoplates dans le dos. Alors attention, c'est pas ça, hein, on reste dans l'axe des épaules. Allez, prêt, on y va, ça fait, monte et descend, souffle en montant, allez, et 4, allez. 5, attention à votre nuque, hein. Toujours bien positionné dans l'alignement des vertèbres. Allez, hop, hop, encore, souffle, souffle, souffle. Ok, faites-moi 3 petits ondes. 1, 2, 3, et on descend, encore. 2, et 3. Allez, je refais des grands. 1, 2, allez, 3, 4, 5, 6, 7, et le dernier, et 8. On relâche. Que du bonheur. Je garde pas mon mes deux poids. Je vais juste poser
mes haltères, je vais boutonner. Voilà. Hop. Allez. Une haltère dans chaque main. On serre les fesses, on rentre le ventre. Et on va partir en inclinaison. Alors attention, on ne danse pas sur la musique. Le bassin doit rester fixe. On serre les fesses. On inspire le nombril. Vous êtes prêts? On démarre à droite. Incline, 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 incline. On n'est pas obligé de descendre trop bas. Ça ne doit surtout pas vous faire mal au dos. Allez, encore. Hop, hop. Allez, on va monter ici un petit peu le coude. Regardez, la bouteille, elle glisse le long du corps ici. Hop, on l'amène sous les aisselles. Allez. Encore. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Et là, je reste du même côté. Regardez, mon bras droit, il s'éloigne du corps. Je monte le poids le long du corps. Allez, monte. Allez. On en fait 8. Allez, 8, 7, 6, 5, encore, 4, 3, 2, on va changer de côté. Allez, 1, 2, et je s'ouvre. Encore 4, allez, 4, 3, 2, et 1, attention, on alterne, nouveau, hop, et voilà, ici, et là, encore, on monte le bras, allez, si on peut, on monte un petit peu plus haut, alors pas plus haut que l'épaule, bien sûr, hein. Encore, allez, le petit dernier, le dernier. Allez, c'est super. Relâchez. Allez. Alors, on va travailler un petit peu nos mollets. Avec nos fessiers. Vous allez donc ici rouvrir les pointes de pied vers l'extérieur. Toujours les poids dans les mains. On va monter en demi-pointe. Prêt? Allez, c'est parti. Soulève et descend. Soulève et descend. Hop. Allez. On monte, on descend. Monte, on descend. En haut, en bas. En haut, en bas. Hop. Encore 8 fois comme ça. Et ensuite, on va accélérer. C'est là que ça va devenir haut. Allez, encore. 4, 3, 2, 1. On accélère. Allez, monte, monte. Derrière. L'autre jambe, je la ramène ici bien devant. On appuie sur le coude.
notre épaule, attention, hein, pas ça. On se sort du sol, on aspire le ventre et on va monter ici la jambe tendue vers l'autre genou. On souffle quand ça monte. Prêt? On monte en trois. Ça fait lève, lève, lève et descend. Alors si on peut, on ne touche pas le sol. C'est nettement meilleur. Allez, hop, hop. Ça fait trois. Travail des adducteurs. Allez, ça fait quatre. Monte, monte. Et cinq. Lève, lève. Six. Sept. Ok, je monte en un. Ça va faire. En haut, je descends un peu moins bas. Voilà. Allez. Allez. On souffle toujours quand ça monte. Encore. Allez, monte. 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 Et je fais des petits là-haut, je reste, on termine. Allez, je sais, la jambe est lourde. Encore. Lève. Lève. Allez, allez. 4. 3. 2 et 1 et on relâche. Ça a chauffé? C'est bon signe. On se couche sur le côté. Allez, bien sur la tranche. Voilà, attention, on ne part pas en arrière. On s'équilibre avec la main devant. Allez. On va simplement ramener le genou devant la poitrine. Allez, c'est parti. Devant. Allez, on continue. Voilà. Vous allez me faire trois petits devant. Ça va faire. Un, deux, trois. Et on retend sa jambe. Allez, deux. Et ça fait trois. Et quatre. Allez. Hop. Et cinq. Et 6, 7, ok, je refais 2 grands, 1, 2 et 3 petits, 1, 2, 3 et je recommence, 2 grands, 1, 2 et les 3 petits, allez, j'en fais encore 2 comme ça, 2 grands, hop, et les 3 petits, 1, 2, allez, un dernier tour. Et bien. Et bien, les trois petits. Ok, on repose. Ah, allez, on change de côté. Même exercice de l'autre côté. Pardon. Ça y est, je rigote. Les adducteurs d'abord. Allez, donc on vient. Attention à la position, hein. Hop, pied au sol, je ramène la jambe ici devant. On serre son bidou, on se sort du sol. En trois temps, je lève, je lève, je lève et je descends. On lève, on lève. Hop, et ça fait deux. Hop, 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 et trois. Et monte, et monte. Allez, ça fait quatre. Monte, monte. Et cinq. Monte, monte. 6, lève, lève, 7, allez encore un, lève, en un, ça fait en haut, en bas, haut et bas, allez, ça commence à chauffer, 5, 6, bon, si ça chauffe, hein. Ça n'a pas l'air comme ça, allez, fais-toi des petits là-haut, et reste, allez les derniers. Allez, on relâche. Oups. On s'allonge sur le côté. Bien sur la tranche. Genou poitrine. Un. Et deux. Le ventre est toujours serré. Allez. Cinq. Six. Sept. Faites-moi les trois petits devant. Hop, et on retend. Allez, un. Encore. Hop. Allez. On continue. Un, deux, trois. Hop. Encore.
et un grand. Deux, les trois petits, et un, deux, hop, deux grands. Trois petits. Deux tours, encore comme ça. Allez, un, deux, les trois petits. Faites-moi un dernier. Hop, et les trois petits. Et on relâche. Allez, sur le dos. Allez. On va venir positionner ici notre jambe en l'air. Alors, pas ici. Ramenez-la, regardez. Au-dessus de la hanche. Si c'est difficile, bien entendu, pliez un petit peu votre jambe. Serrez le ventre. Les bras le long du corps. On va donc soulever nos fesses et puis les redescendre. Allez, c'est parti. En haut, en bas. En haut, en bas. On souffle quand ça monte. Ça fait 4, 5, 6, 7, 8 encore. 1, 2, 3, 4, 5. Allez, 6. 7. On va faire des tout petits ronds. Ouais, ce sont les meilleurs. Allez, souffle, souffle. 5, 6, 7 et 8. On repose. Ah, bien sûr, la jambe qui travaille, c'est la jambe d'appui au sol. Allez, on change de côté. Prêt? On y va. Ça fait. En haut, en bas. En haut, en bas. 3. 5, 6, 7, encore 8, allez, 8, 8, allez, encore 4, 4, 3, 2, 1, on fait le petit en haut, et là, 2, 3, 4, 5, 6, 7, et 8. Allez, on repose. On ramène un petit peu les genoux sur la poitrine. Allez, on va attaquer nos abdominaux. Allez. Pieds au sol. Bras le long du corps. On va lever un peu nos jambes. Hop. On va ici enrouler. Alors, si c'est difficile pour vous de garder les jambes en l'air, souvenez-vous, vous pouvez, vous avez la possibilité de soulever un petit peu les fesses en enroulant votre tapis en dessous des fesses. Ok? Allez. On serre son ventre. On y va. On enroule. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Allez, encore. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Allez, j'en ai encore 4 comme ça, faites-moi encore. 4, 3, 2, et 1. Ok. On allonge un peu nos jambes, on tend les bras ici derrière, on s'étire. Lâche. Alors, l'exercice qui suit, les jambes ici, genoux à la pointe des hanches, jambes parallèles au sol, alors attention, hein. On est d'accord, ça c'est pas parallèle au sol, ça c'est parallèle au sol. On inspire son ventre, on va placer le bras ici, main au-dessus des épaules. Vous allez allonger la jambe droite, hop, à 45 degrés, et en même temps vous allez descendre les bras derrière la tête. Quand la jambe elle revient, les bras remontent. Ça va faire souffle, inspire, souffle, inspire. Vous n'êtes pas obligé d'aller poser les bras au sol, bien sûr. Allez, c'est parti. Hop, et je souffle en allongeant. Hop, allez. Regarde bien son bidou serré, le bassin ne va pas bouger, il ne faut pas creuser plus votre dos, on a une courbure naturelle. Allez,
Soupe. Soupe. Allez, encore, encore. Allez. Encore. Ok, on repose les pieds. On va garder nos deux pieds au sol. On serre le ventre. On va aller ici, regardez. Touchez le genou avec la main opposée. Ne montez pas trop haut. Décollez, décollez la tête quand même du sol. Hop. Voilà, on essaie de le faire sans bouger nos jambes. Allez, prêt. Attention. On y va, ça fait. Un. Deux. Trois. Quatre. Cinq. Six. Sept. Huit. Encore. Un. Deux. Trois. Quatre. Cinq. Six. Sept. Huit. On enchaîne. Allez, un. Encore, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 et 1. Et on repose. Allez, on allonge les jambes. On tend les bras, on s'étire, on se grandit. On ramène le genou sur la poitrine. Venez écraser le genou sur le ventre. Changez de côté. Ramenez les deux genoux. On va rouler sur le côté. Allez. On va descendre les fesses sur les talons, comme on reviendra devant. On s'étire, on allonge bien. Si c'est plus confortable pour vous, écartez un petit peu les genoux vers l'extérieur. Bien, on rapproche les mains. On va revenir donc en position accroupie. On rapproche les mains près des pieds. On pose le ventre sur les cuisses. Hop. Allez, on relâche bien le dos.